Et bonjour, bienvenue sur RCAtomicFR pour le montage de la MRZ. Nous en sommes à l'étape 20, le montage du cerveau. Donc alors, le cerveau, je le monte avec l'option sauf cerveau. Ok. Donc il nous faut une petite rotule de 1, filetage de 1,4 avec une boule de 2,5. Alors, est-ce que c'est celle-là? Donc à l'intérieur du palonnier ici. Donc je pense qu'avec l'option du sauf cerveau, on a la rotule qui va avec. Parce que la 1,4 elle se monte pas. Donc, voilà. Ensuite, le cerveau il est comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Le ressort, la vis qui passe à travers tout ça. Et on vient serrer ça jusqu'à me buter de l'épaulement. Voilà. Ok. Et vous avez la petite vis en tête pour venir bloquer sur les pignons du cerveau. C'est cette petite vis noire. Voilà. Là, on est ok. Pour le cerveau et son palonnier. Le palonnier en général, vous l'avez avec le cerveau ici. Donc vous coupez, hein, ou vous prenez celui-là, mais il est déjà tout prêt. Vous venez visser votre petite rotule et c'est parti. Donc le cerveau. Alors comment ça fonctionne? Nous avons le châssis comme ceci. Il nous faudra des vis Phillips, donc c'est les vis noires, parce que ces pièces-là sont en plastique d'origine. Moi, je vais utiliser les pièces aluminium. Je vous montre les pièces plastiques et les pièces aluminium. Donc les pièces plastiques, c'est les vis noires, avec des grosses dents et un gros filetage. Et quand on est dans l'alu, on utilise des vis avec un filetage métrique. On commence sûrement par fixer le cerveau sur ces pièces-là. Alors, c'est des vis TBHC de 2 par 6. Donc, c'est des longues. Je ne sais pas pourquoi ils nous demandent de mettre des longues. Voilà pour les deux supports. Donc, on est bien comme ça. Et maintenant, on va venir le positionner sur le châssis. Il y a des petits pions de centrage. Et ensuite, quatre vis tête fraisée. Une. C'est pas mal fait. Selon le cerveau, il y a un petit peu de réglage. Pas beaucoup, hein. Il y a qu'un millimètre et demi, je pense, de réglage. Mais c'est bon. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais me centrer. Je les serre. Et voilà pour le montage de notre cerveau. Donc il monte aussi cette partie train avant. Donc moi elle était déjà pré-montée. Je vais finir de la monter parce qu'il n'y avait pas toutes les vis. Ok, nous voilà pour notre partie 21, l'installation du cerveau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous allez trouver les liens, hein, dans les descriptions, de la notice, des pièces options qui vont à l'étape 21, par exemple, le soft cerveau, le nouveau cerveau. Et puis je vous dis à de suite pour la suite du montage de la MRZ. Salut!